Alors, chers amis, nous commençons cet enseignement. Pour la première fois, je prêche en lituanien sur ma chaîne YouTube. Et um, je suis très content de vous parler. Je suis très de vous Vous savez, parce que depuis la pandémie. Nous vivons quelque chose de nouveau dans l'Église. Dans les statistiques mondiales, statistique, statistique, uh, ils disent que depuis la pandémie, le 40% des chrétiens ne reviennent pas dans l'Église. Je vois que en Lituanie, il est un peu moins lourd que dans d'autres pays comme la France ou l'Italie ou les États-Unis. À chaque matin, quand tu l'as tous les statistiques, euh, à chaque matin, quand tu l'as tous les statistiques, on y que la baisse, mais on comprend aussi, on s'arrête Mais si Dar... ça peut être un uh, donnée qui est négatif. Mais qui peut être négatif, euh il y a un aspect positif. Mais nous pouvons des choses positives. C'est-à-dire que l'Église s'est développée sur Internet. Ne uh, in Et surtout, uh, la chose incroyable, Et kas yra c'est qu'il a plus de suites sur Internet qu'il n'ont en présentiel. C'est pour cela que, pour moi, c'est très important man développer un en enseignement, une en prédication. Uh, un site internet aussi per internet. qui parle les différentes langues des -da -da. Gens chrétiens. Voilà. Taigi. Et alors, le titre de cette conférence, uh, c'est les disciples. Dis, uh,

Je sais que Dieu ne me donne rien A, žinau, nieko man nedauda, que je ne puisse pas gérer. Uh, J'espère juste qu'il ne me fait pas trop confiance. Je sais que Dieu ne me donne rien que je ne puisse gérer. J'espère qu'il ne me fait pas trop de confiance. Alors, une chose technique, Christina, je t'envoie les citations comme ça, comme ça okay. tu me suis comme citation et tu les as en WhatsApp. <laughs> uh, uh, OK. Tu m'as dit que tu as tiré ce texte OK. Voilà, okay. comme ça c'est plus facile. Alors, de cette affirmation de Mère Teresa, digi, šis motinus Teresės uh, phrase. Nous comprenons que Dieu a confiance en nous. Il a tellement confiance qu'il nous appelle à être disciples. Jis turi mumis, kad jis mus net kviečia, vadina, Parfois dans certaines entreprises, et hélas même dans l'Église catholique. Kartais darbuose, darbuvietėse, bet net ir bažnyčioje mes esame palikti atmesti. Tas, kuris vadovauja, jis dažniausiai turi, jaučia galę virš kitų. Ne, ne ir dažnai jis net nepasitikė kitais. Moi, je me poserai la question, s'ils si ont ce type-là confiance en Dieu. Mais prenons la Bible. Et allons prendre, par exemple, le psaume 26-27. Je ne sais pas dans, dans votre Bible okay. s'il est 26 ou 27, au okay. verset okay. 10. Mm -hmm. Sako, nežinau, kaip jūsų Biblijoje yra, bet sako, pas mus yra uh, psalme 26 ar 27 pagal vertimą, nežinau, sako kaip jūs. Dešimtas eilutė, sako. Mama, e Jeigu mano tėvas ir motina mane paliktų, mane vieš paspriema.

Je dirais presque dépendance des faiblesses. Vous dites, mais moi je ne suis pas faible, je suis fort. Normalement, ce qui dit cette phrase, c'est vraiment quelqu'un qui doit avoir beaucoup de faiblesse. Donc, accepter la volonté de Dieu, Taigi, dievo ça veut dire s'abandonner à Dieu. Yra, Même si la volonté de Dieu ne correspond pas à nos attentes, à nos désirs,

Bet būtent leidimas būti vedamum šventosios dvasios, tai mus daro laimingus. Tai neturi ne ma būti ne mano kūnas, galbūt nori turėti paskutinį žodį. Notre citation. Taigi, dar kitas sakyt, kita vieta iš šimtro. Saint Paul au Romain, chapitre 8, verset 28. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisque sont appelés selon le dessein de son amour. Encore une fois, tu peux dire quel. Le... Cherche ah, oui. dans WhatsApp, je te l'ai envoyé, Christine. Ah oui? C'est bon? Okay. Je... Suis, je... suis, suis les citations, tu, tu vas comprendre. D'accord. Euh, Romains, euh, Romie-Champs, 1828. Voilà. Romains, 1828. Les chrétiens, qui sont des dieux, partagent avec eux...

Taigi labai aiškiai šitą frazę pasako. Kurie, sufrance, yra, viskas išeina į gerą, kas myli Dievą. Taigi Dievas dalyvauja kartu dalynėsi mūsų, mūsų smulkmen, smulkmeniškumu. Uh, Vous comprenez que même dans le combat, même quand on se sent persécuté, la confiance nous protège. Musaugo, Faire confiance à Dieu, c'est croire en sa présence. Dieu, c'est en sa présence. Euh, tai ap, mané, tai jis en sa fidélité, en sa sagesse, en sa puissance. C'est s'appuyer sur ses promesses, sur sa parole et non sur les circonstances. C'est espérer. En son secours, mais pas sur ses forces à nous. S'abandonner et faire confiance à Dieu, c'est aussi témoigner de son amour. Alors, nous demandons aussi de rendre grâce.

Même si nous ne sentons pas sa présence. Tada, Alors, ce point-là nous permet de servir Dieu avec joie. Toi, tu sers le Seigneur et tu vois des oppositions et des persécutions. Ir tu gauni persekiojimą ir dar gauni pagalėsi nugarą. Si Jeigu tu pasitikė ir tu tiki, tu atsidodi jo valiai. Amen. Hmm? Amen. Amen. Alors, Amen. je vais prendre des textes de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je sais pas, vous la connaissez peut-être Vous la connaissez jus ją, ją. <laughs> Très bien. Si vous la connaissez alors, je ne dois pas expliquer qui était. Jeigu, jeigu, aš, jeigu jūs ją žinote, man nereikia papasakoti apie ją daug. Sela sant la plus incendier de dé 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 dernière siekte. Uh, tai yra šventuojai, kuri daugiausiai uždegė per praeitą šimtmetį. Ela įkryp daug de shows. Taigi jinai labai daug ką parašysi yra. Sans avoir fait même l'université de devenir docteur de, de, de l'Église. Et il a laissé des écrits spirituels qui témoignent de la petite voix de l'enfance spirituelle. Il a laissé des écrits spirituels qui témoignent de la petite voix de l'enfance spirituelle. a laissé des écrits spirituels qui témoignent de la petite voix de si on peut dire dans un titre la petite voix de l'enfant spirituelle son centre est la confiance et l'abandon en dieu pour sainte-thérèse la confiance et l'abandon c'est reconnaître sa petitesse. butant a t elle dit à thérèse il y a pas si sa voix au nom sa dépendance à dieu. c'est préposé qu'il soit à priclos et me bénir c'est laisser conduire par lui laissez vous te voir dans mon siège comme un petit enfant

Attends, une fois, tu dis Même si Dieu parfois ne comprend pas les désirs et les attentes de l'enfant. C'est euh, la confiance et l'abandon pour Thérèse, c'est témoigner de l'amour et de la gloire de Dieu. Mais, pour Atsidavimas ir pasitikėjimas tai buvo liūdimas Dievo šlovėsioje. Esai rondel gras, komonadį. Ir tai yra dėkojimas, padėka Dievu už tai. Komentuojame, jums poezija, vivra d'amūr. Pradėkime nuo poezijos. Euh, gyvenu aš meilę. Vivra d'amūr. Gyvenu meilę.

L'esprit d'amour m'embrase de son feu. C'est un témoin que j'attire le Père. Et mon faible cœur le garde sans retour. Ô Trinité, je trin... suis prisonnier, vous êtes prisonnier de mon amour. Euh, šiandien... C'est dans ces vers tellement beaux, il y a ce... la confiance de Thérèse à la Trinité.

Dans une autre poésie, euh, euh, mon chant d'aujourd'hui, et la foi. Oh, je t'aime Jésus. Oh, je Vers toi mon âme aspire. Mon te... Pour un jour seulement reste mon doux appui. Mano diena cheval noce, et c'est à. M'dois, oui. Reste. Une seconde. À traumat. Viens régner dans mon cœur. Uh Avec le cœur, là où que m'a mon cher Donne-moi ton sourire. Dois que m'en sauve, chipsana. Rien, rien que pour aujourd'hui. Tik moi Diana.

Man. Ne pari. Ne. Manei jos apginklavo ar atvilko. Rien désormei neme causa d'alarmą. Niekas man, joks povojus man nekils. Deson amour, kipe me separai. Ir kas gali man atskirti nuo jo meilės?

Idéaliste. Idéaliste. je comprends parfois certains mots en lituanien. Et parfois, ceux qui sont les plus perfectionnistes sont ceux qui donnent plus d'alarmes. Et

dans ma vie, à m'abandonner à Dieu. Taigi, įpratus, euh, dieu Je fais un témoignage. J'étais éduqué dans un pays dans lequel les pattes se font selon certaines règles. Taigi, aš gyv, euh, Tam Et alors je viens en Lituanie. Je suis invité dans un couvent. Aš į lyna, Et il y avait des sœurs adorables. Qu'à un certain moment, pour me faire plaisir, Et jos man ils vont faire les pâtes.

le diable avait commencé à me mettre dans la tête. C'est pas comme ça qu'ils ont fait les pattes. O, man, aiškint, ženai, taip yra. Mais à un certain moment, je ne me suis pas laissé faire voler la paix. Ça vous semble un exemple peut-être banal Mais notre vie spirituelle est faite de détails. Et c'est justement dans ces choses-là que nous perdons complètement la tête.

Mano veide Et je disais mmm, c'est bon. Oh, c'est ne je disais pas des mensonges. je ne c'était vraiment bon. c'était tai parce que comme dit justement la petite thérèse. Rien ne me cause d'alarme. Rien ne peut être mon préjudice. Qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut me séparer de Et alors, j'étais en train de dire la vérité de l'amour. C'est la vérité. L'amour est la vérité. Alors, quelqu'un peut... Pour...

Anksčiau ir vėliau tie žmonės išgyvena vienatvę, kurie pradeda apmastyti. Paskui suvom pas. Nes dažnai tai praeina. Pas. Bet vėliau tai nebe, nebepraeis, pradės viskas suvokti. Ir tai laužo viską. Ça cas, ça ir kai tai pradeda viskas žuvinėti, tau tai skaudina. Tu devais t'y Toujours la petite Thérèse dans la poésie Pourquoi je t'aime, mon mari. Et Thérésée, dans sa poésie, Pourquoi je t'aime, mon mari. Elle dit cela. Elle dit cela. Si je te contemplais dans la sublime gloire. Si je te contemplais dans la sublime gloire. Et parle de la Vierge Marie, hein? Taïque, et surpassant l'éclat de tous les bienheureux et, 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 et le tôt, Oh Marie, devant toi je baisserai les yeux mais, Marie, je Ne pouvons pas soutenir ton éclatante flamme pas soutenir ton éclatante flamme

Euh, je me sens attiré vers toi, je vois en toi, ma mère. Aš esu tavęs, ir aš et, esu et je me lance à toi car tu n'es pas jalouse. Ir aš einu tavęs, nes tu oh ma mère chérie, oh, mano motina de me voir près de toi partager tes douleurs. Ir dalin, dalin, pardon, tes douceurs, tes douceurs. Christina, plus, Christina, ne bouge pas. Irai? Oui, tu viens au contraire m'attirer sur ton cœur. Tu

Une poésie au Sacré Cœur de Jésus. Tige, qui est cette poésie, Dar? Jésus de Calvénage. Elle est écrite. Thérèse de l'Enfant Jésus écrit. Tige, il n'est pas Il faut, je le sais, passer par le feu. I know that we get tired of the Attention, nous on aime beaucoup le feu parce qu'on est charismatique. Oh, taip, mes labai ugnia, taip? mais là, Thérèse parle d'un feu de grandes souffrances. Bet dabar, metu, apie ugnia, apie le feu de la purification. Ugnis, nugrynia, souvent, quand on a des appels spécifiques.

Tu peux répéter, Christina, parce que ça va et ça vient. Allô? Tu peux répéter parce que la connexion n'est pas bonne. Est-ce que maintenant, je vais vous dire? Oui. Allô, allô? Oui. D'abord, vais vous dire que je vais vous Christina. Je vous dire que je vais vous dire

S'envolant au ciel, sa patrie rentrée dans ton cœur sans aucun détour. Sainte Thérèse, en effet, avec ses écrits, nous aide dans notre vie spirituelle. Parce que nous, dans chaque fois qu'on fait quelque chose, fois, fait quelque chose de même devant les épreuves, les choses qui vraiment nous. le combat spirituel, les problèmes, les choses qui vont contre ce qu'on a décidé. Il nous donne des possibilités de s'entêter. Il nous donne des possibilités de reconnaître que Dieu est là. Et il, et il nous fait nous envoler dans le ciel, dans son cœur. Taigi, mus siunčia, mus, uh, lydi, link Mane Donc, moi, pour terminer ce petit enseignement que veut vous plonger dans la confiance et l'abandon en Dieu, Taigi, pasakyti, į į je vais terminer avec une phrase de saint de Loyola. Aš ir Anto Ignacio jau jolos sakinio užbaigsiu. Santinas de lojola il dizė: Aš jisai kaip tu depende vu. Sako, reguokite taip, kaip viskas nuo jūsų priklauso. Donc, si soyez, Jeigu tu esi perfekcionist, soy feti bien le šaus. Jeigu tu esi idealist, daryk viskas, kas tenkis, kaip turi būti idealiai. Me pridėjai. Melskas. comme si tout dépend de Dieu. Taip, kaip, dievo. Parce que là, vous allez comprendre si c'est vraiment volonté de Dieu ce que vous voulez. Priklau... Bu... Mm, no, Ou <coughs> peut-être le Seigneur permet des choses différentes prouver l'or dans le feu. Je peux vous assurer que la confiance et l'abandon à Dieu sont des choses qui aujourd'hui sont plutôt prêchées par les psychologues que n'ont par les chrétiens. Aš galiu Jums vieną dalyką tik pasakyti, kad dažniausiai apie pasitikėjimą ir priklausomybę nuo Dievo dažniausiai kalba psichologai, kurie nėra tikintis. Regardai, pavyzdžiui, an enfant, kai rev, kad aš esu grand, aš vėsiu devenir cela. Žirėkite, ma, Et, souvent, et est souvent, ces enfants qui ont de la confiance et de l'abandon à, la à Dieu, ils réalisent ce qu'ils ont rêvé. Les, les, jeunes, exemple, qui marier, les, les jeunes, par exemple, qui rêvent de se marier. C'est-à-dire ceux qui rêvent dans cette petitesse, dans cette confiance, dans cet abandon. La petite Thérèse dit que l'abandon est le fruit délicieux de l'amour. dit que l'abandon est le fruit délicieux de l'amour. S'ils si sont dans la confiance et l'abandon, ils vont réaliser. Pourquoi Parce qu'ils activent en eux les capacités spirituelles. Qui dans une manière ou dans une autre touche Dieu. Alors, vous me poserez la question, mais alors des non-chrétiens, parfois, ils peuvent accéder à ça Je peux vous dire que j'ai rencontré des gens non-chrétiens qui ont compris. Ces, ces aš galiu tik vieną tą pasakyti. Aš sutikau krikš... ne krikščionis, kurie visą tai realizavo ir viso to gyveno, bet aš taip pat ir sutikau daug krikščionių, kurie labai yra pasiš... Uh, pasižadėję kažkokios eternistės ir visiškai net, net negyveno tuo ir net nepažįsto to. Uh, atsidavimas, tikėjimas ir atsidavimas. Tai vienas iš charakterių, būtent nusižeminimo, Ir, ir, ir uh, mažumo tiesiog, na. Nu, Kiekie fede grandes choses. Bet kurie daro didelius darbus. Galim, sans se monte la tè. Kurie net, net nesirūpina kažkokiais dalykais, nesusireisina kaip. San fer de bagar. Be jokio skandal, skandal uh, kažkokio skandalizavimo, ar ne? E, yeah, eksaktimu. Donc, vous voyez, nous sommes devant quelque chose qui nous rend la qualité de notre chemin de sainteté. Donc, si vous voulez servir Dieu, si vous voulez être des disciples missionnaires, oui, il y a besoin de l'argent, il y a besoin d'organiser des choses, il y a besoin de beaucoup de trucs. Mais si vous n'avez pas la confiance et l'abandon. Vous perdrez la paix quand le Seigneur va vous appeler dans une minute d'épreuve. Iš <coughs> Ce n'est pas le diable qui te met en combat. Uh, uh, C'est Dieu lui-même qui veut que tu t'abandonnes. Bet Dievas pas tave trupučiukas stumia, kad tu atsidūtų ją. Taigi, kad baigtumėm, baigt, užbaigtumėm. Taigi, kad mes skaitysime psalmę 8, commence, apsalme, écoute, kad, seigneur, kuris sako, viešpatį išklaus, išgirsk mane ir atsakyk man. Alors, on va faire comme ça. D'abord, c'est moi qui vais le lire. Eikai, en pirmier, mais... Skaitys, o paskui, jūs. Et après, quelqu'un va le lire en lituanien avec moi. O paskui, iš jūsų, 85 86 pagal on va terminer l'enseignement sur ce psaume. Écoute Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô oh mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur. Vers toi j'élève mon âme, toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur entends ma voix qui te supplie je t'appelle au jour de ma détresse et toi seigneur tu me réponds aucun parmi les dieux n'est comme toi et rien n'égale tes œuvres toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi et rendre gloire à ton nom seigneur car tu es grand et tu fais des merveilles toi dieu le seul montre-moi le chemin Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Toujours je rendrai gloire à ton nom. Il est grand ton amour pour moi. Tu m'as tiré de l'abîme de la mort. Mon Dieu, des orgueilleux s'élèvent contre moi. Des puissants se sont ligués pour me perdre. Ils n'ont pas souci de toi. Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, là la colère est plein d'amour et de vérité, regarde vers moi, prends pitié de moi, donne à ton serviteur ta force et sauve le fils de ta servante. Accomplis un signe à ma faveur, alors mes ennemis humiliés verront que toi, Seigneur, tu m'aides et me console. Aha, dabar galėtų kažkas lietuviškai ją perskaityti. Aš galiu perskaityti. Ta pačia, ne? Taip. Viešpatie atsuk į mane, ausį ir išklausyk mane, nes aš vargšas ir beturtis. Apsaugok mano gyvastį, nes aš ištikimas. Mano dievę gelbėk savo tarną, kuris tavimi pasitikė. Būk man gailestingas viešpatė, nes visą dieną šaukiuosi tavęs. Pralinksmink savo tarną, nes tau viešpatė melžiuosi. Juk tu viešpatė geras ir atlaidus, kupinas ištikimos meilės visiems, kurie tavęs šaukėsi. Klausykis viešpatė mano maldos, išgirsk mano maldavimą pasigailėti. Vargo dieną šaukiuosi tavęs, nes tu išklausai mano maldą. Nėra tokio, kaip tu tarp dievų viešpatė. Ne vienas nėra padaręs, kad tu padariai. Visos tautos, kurias tu sukūrei ateis ir lenksi tau viešpatė, jo šlovins tavo vardą. Juk tu didis ir darai nuostabius darbus, tu esi vienas Dievas. Mokyk mane savo kelio viešpatė ir aš ištikimai juo pas tave eisiu. Mokyk mano širdį pagarbiai bijoti tavo vardo. Dėkoju tau visą širdimi viešpatė, mano Dieve, ir šlovinsiu tavo vardą per amžius. Juk didi tavo ištikimoji meilė man ir tu išgelbėjai mano gyvąs iš šiolo gelmių. Dievei žūlų žmonės sukilo prieš mane, niekšų burys tyko mano gyvasties. Tai žmonės, kurie tavęs negerbė. Bet tu viešpati esi gailestingas ir malonus Dievas. Visada kantrus, visada geras ir ištikimas. Pažvelg į mane ir būk man gailestingas. Suteik jėgų savo tarnui ir išgelbėk savo tarnaitės sūnų, rodyk man savo gerumo ženklą, kad mano priešai matytų ir gėdytųsi, nes tu viešpatė mano pagalbą ir paguodą. Amen. Amen.